You know this is Denmark Summit. This is a Vanguard Spring. Yeah. Merci, vous pouvez suivre nous, Lola MBC, TV Rodrigue pour l'émission Zen Actif. Aujourd'hui, nous avons plaisir à nous découvrir la vie de Frédéric Ravina. Frédéric, bonjour. Bonjour, Mila. Ça va? Toujours, et vous? Moi, ça va bien. Frédéric Ravina, c'est qui? Donc, Frédéric Ravina, c'est un jeune âgé de 27 ans, originaire de Mont-Charlot, dans l'île de Rodrigue. Et Jean-Frédéric Ravina, c'est un jeune qui est très, très actif au niveau social et très, très engagé, mm-hmm. et dans le sens de responsabilité. Voilà, un jeune qui est très engagé au niveau social. Et donc, qui va un groupe qui vous retrouve, justement, pour faire ça l'engagement là, Frédéric? Donc, dans le groupe, ça veut dire, moi, dans le rôle de Journal Youth Council, de Youth Counseling Center, c'est-à-dire la Friande de Rodrigue. Mm-hmm. Moi, dans aussi le groupe La Chorale et plusieurs les autres groupes encore qui m'ont participé, me donnent beaucoup de main, coup de capable. Et ça, la vie sociale là, comment tu as démarré? Donc, la vie sociale, comment tu as démarré? Tu as démarré, moi, dans 12 ans, comme rentre collège maréchal. Donc, mon parent m'a dit, c'est content pour moi, le casse-pose, pour la routine. Donc, mon parent dit, moi, Roden groupe, tu as allé, Roden affaires, tu as fait. Donc, après, avec les temps, tu as trois animateurs, dans la personne de Gentil, Christophe, M. Steve Félicité, avec Mme Marie-Lou Drabout. Quand tu as une dernière formation, je dis, qui fait autant de jeunes dans mon Charlot, mais c'est ma peine un groupe. Et je dis, je prends l'initiative pour mettre le groupe là en place. Et depuis là, moi, là, ce que c'était là, il faut des gravinas. Il fait tout le monde qui fait des gravinas par rapport avec Youth. Donc, c'est un grand avis social qui me l'a. Depuis l'année 2008 jusqu'en l'air. Depuis où on a 12 ans, Odiane? Depuis où on a 12 ans. Et tu commences dans sa youth là, youth club là? Oui, tu commences donc dans... à Montagne Charlot. Oui, oui, tu ne commences pas là. Et je fais beaucoup. Je prends beaucoup de sens de responsabilité à mon jeune âge parce que 12 ans, je ne pas supposé intégrer un youth club, mais c'est moi qui ai intégré ce youth club. Mais l'âge normal, c'est 14. Mais seulement, moi je comprends la logique, c'est moi à 12 ans, là on va pouvoir m'intégrer dans le youth club. Moi je vais faire une autre chose qui, sans mon canal fait, moi je suis en prison. Mais seulement, je dis ça, mais je suis comme moi aujourd'hui. Donc, parfois là, c'est un décalage, mais seulement l'apprentissage, il m'a rien pour autant, oui. Depuis nos jeunes âges. Et justement, on commence dans le youth club, après là, on s'en est, on monte un autre niveau. Alors, quand on commence à arriver au youth council, comment ça se passe? Donc, je dis, comme arrive Youth Council l'année 2016, ça veut dire que je tiens une équipe. Mon président, c'était Marie-Claire Béguet, avec tout le gouvernement de l'équipe. Je prends le rôle de trésorier. Trésorier, ça veut dire que je suis dans Youth Council. Là, on a un atelier de savoir. Alors, tout un manzen, un homme plus grand qui peut œuvrer pour la vie en main, parce qu'il y a un atelier de savoir. C'est Banzen qui, nous pas dire qu'il fait les autres cercles académiques, mais qui veut redonner une base professionnelle, professionnaliser dans le domaine, mm-hmm. pour les autres cas, PSC, dans sa vie aujourd'hui. Là. Et aussi Banzen, parce que quand au niveau de l'Youth Council, c'est au responsable, tout ça, groupe qui est dans Rodrigue là. Moi, que tout le monde arrive là, encore mon cours petit, mais mon apprendre, mon bon apprentissage, parce que c'est la main officielle qui s'est attachée à l'époque, c'était. Fait M. Daniel André et Mme Justine Colette, qui s'est passé avec nous au niveau Atelier de Savoir et Production du Council. Quand je donne beaucoup de main. Ça qui fait qu'il m'a là aujourd'hui. Pas dire que beaucoup de gens sont bons, mais ils sont bien brossés. Ils sont bien brossés, parfois ils disent oui, pas bien fait ça, tu bien fait ça. Parfois on dit que qui gagne tous les jours, les grâces et tout. On vient abandonner un coup. Mais c'est pour qu'on comprenne le sens qui fait Mme Brossou. C'est pour eux-mêmes, c'est au propre développement. Dans les mondes que nous pouvons vivre, comment nous pouvons causer avec du monde, comment nous pouvons agir, comment nous pouvons
une discussion pour ne pas blesser personne, sans qu'il nous blesse personne, sans sensibilité. Mm-hmm. Parce qu'ils nous vivent dans les mondes de côte. Il y a beaucoup de monde, nous tous nous pas pareils, chacun est dans son manière de penser, mais nous devons apprendre à cohabiter ensemble. Mm-hmm. Et avec Youth Council, peut-être beaucoup de monde qui a vu Tani, mais pas bien connu, qui était ça? Ou qui a expliqué nous un peu plus ce qu'ils ont fait dans Youth Council? Donc, le Youth Council, là, c'est pour aider la jeunesse, à avancer parce que Youth Council nous faisait faire comprendre bien. Il y en a 10 Regional Youth Council qui a tassé avec National Youth Council. 10e Youth Council, c'est pour l'île Rodrigue. Donc, nous avons un seul, c'est au niveau Rodrigue. Quand nous, là, dans la loi NYCM, nous n'avons pas de vice de commissionnaire in every implementation of the Youth Project. C'est-à-dire, nous sommes là pour conseil commissaire avec tout ce l'équipe, toute la délégation du gouvernement. Ça veut dire que quand on a des affaires concernant la jeunesse, donc nous besoin nous avons un input ça, parce que la jeunesse, c'est l'ILAS, nous avons une grosse population de la jeunesse, quand nous avons besoin dire qui besoin faire, qui va besoin faire. Ça veut dire la voix de la jeunesse ne besoin pas être oubliée. Donc voilà, c'est le rôle de Youth Council. L'idée est là pour voice out, les problèmes qui jeunesse fait, qui dit sommage, qui dit concernant la drogue, qui dit concernant même l'éducation. Donc tout ça nous là pour voice out. Majorité du monde pas qu'on a comment on dit oui, mais seulement c'est nous-mêmes nous qui responsable toute sa population jeunesse de 14 à 35 ans. Nous quand on est petit, nous on a un temps à prendre, mais nous peut faire pas la moyenne qui nous est là pour nous faire tenir sur le briller. Et comment se récupère ça ban donner là? Comment se connaît qui problème qui ban zéné non pour se t'apporte ça au plus haut niveau? Jolie question, c'est une jolie question. Comment nous gagner à donner là? C'est par exemple, on dit nous responsables tout ban youth camp là au tout ban youth club. Donc nous travaillons ensemble avec tout ban officiers dans la région, c'est-à-dire des régions N à région 6, nous travaillons ensemble avec autres, ça veut dire ban membre qui est là. Donc tout attaché avec autres youth officiers, autres a fait ban visite, autres a fait ban peut comprendre écoute la doléance, ça m'a donné ça. Il ne faut pas qu'on nous élire comme religion de la Youth Council. Nous les cassons, c'est dire, nous tablons l'estomac, nous vous disons voyager, nous ne pouvons pas faire rien pour la Seigneur. Mais non, nous là, nous étudions, nous écoutons. Après, nous nous voyons ça, nous assisons ensemble et de l'équipe. Ben, nous officiers qui sont nous là pour causer, dire ça. Et c'est là, nous avons Mme Julie Namenier, principale Youth Officer avec nous, et Mme Kérina Legoff aussi, Youth Officer avec nous. Quand nous assisons, nous discutons, qui vous faire, qui va vous faire. Est-ce qu'il s'appose qui vous fait là? Est-ce qu'il y a bon? Est-ce qu'il y a Zénès peut demander? Donc tout ça là nous besoin prend bien compte parce que Zénès il a envie que sur la voie est en délit. Mais seulement si nous bypass la voie à la Zénès, nous retrouvons nous tout seul. Donc nous besoin très très vigilant, nous besoin écoute bien d'oléance ban Zénès. Et justement vous êtes très vigilant, écoute bien, qui ban les autres qualités qui besoin non pour faire sa travail pour l'osa board du council là. Et à noter qu'il certaines affaires volontaires. Donc, oui, comme on dit, Youth Council, c'est volontaire pour une période de mandat de 10 ans. Moi, depuis 2016, moi, là, c'est là. Donc, moi, j'ai un mandat comme trésorier, avec 3 mandats consécutifs comme président. Et il demande beaucoup de patience. Beaucoup de patience et il demande beaucoup l'amour aussi. Ce n'est pas l'amour pour voyager, ce n'est pas l'amour pour bénéficier. Mais l'amour quand tout est un esprit avancé. Il n'est capable de pas aujourd'hui, il n'est capable de demain. Mais c'est moi quand tout est un là, une cause. Ou quand on a fait une formation, on cause une seule fois avec un Zénès. Mais ça a un déclic dans la tête. Qui peut faire avec sur la vie? Parce que moi, j'ai des enfants bien rigolos. Je ne sais pas ça. Mais quand on a dit, moi, c'est tout le monde fait l'école Maréchal Collège pour connaître. Et quand on cause, tchik, je ne sais pas ça. Je dis, brigand. Mais quand on a dit, moi, c'est, je connais beaucoup de gens. Quand on a dit, moi, c'est, je ne sais pas quoi, c'est un tchik qui nous sentait quand c'était. Mais c'est juste une formation qui fait où. Vous pouvez comprendre, une formation fait où, créer un déclic dans la tête. Est-ce que moi, tu peux faire quelque chose qui fait des bien? Donc, vous faites une remise en question de vous-même. Qui m'a fait, qui m'a pour faire. Donc, pour être au niveau de la Youth Council, vous avez pas beaucoup. Beaucoup de choses en main. Prendre l'avenir même. Être très, très discipliné. Connaître comment cause avec Zénès. Connaître comment cause même avec un adulte. Au comportement, vous avez aussi un rôle parce qu'il y a un rôle modèle quand vous arrivez au niveau de la Youth Council. Vous n'avez pas permis de faire tout. Mais dire si vous habitez vous habitez bois, ou de colo, ou de la boutique, vous oublié. Ou pas dire on pas dire en pissou mais seulement autant qu'il possible ou bien réussir corrige la vous senti corrige ça corrige ou ban dépendance corrige ou façon habillé aussi tout est marié important mais ça langage ça c'est tout c'est une petite chose que vous disais bien visitant là on peut cause à noter que quand on est bien tout ban précédent président avec tout ban l'équipe qui passe ensemble avec moi je donc on peut vrai dans les sociaux comme au site certain non nous on a monsieur
Christophe Casimir, M. Winston Augustin, nous avons même Mme Marie-Claire Béguet, qui est encore toujours là. Et nous prenons encore ban les autres. Nous prenons encore ban les autres ban qui brillent depuis 1998, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une bande qui met un atelier de savon en place. Parce que c'est les autres qui ne trappent pas la manche par là. La manche par là, Tissot. Mais quand c'était là, il y a encore ça. Mais c'est moi, ils ont toujours une ténière, nos copains ténière, chapeau à eux, parce qu'ils ont fait un gros développement dans la vie, beaucoup de jeunesse. Parce qu'il y a une bande qui est dans le secteur privé, il y a une bande qui même dans le secteur gouvernemental, tout en copie vrai. Il y avait une autre bande own business. Moi aussi, même M. Evno, M. Stéphane Evno, qui dit qu'il fait l'artisanat, vous trouvez que c'est encore là. C'est que vous apprenez encore là, tout en copie. Et apporte d'autres soutiens, c'est d'apporter d'autres contributions dans les mondes aujourd'hui, dans Rodriga, pour faire l'économie avancer. Parce que là, l'économie nous est solide parce qu'il nous donne l'autre génération, l'autre mouvement. Donc, nous tous, nous nous donne marier la main ensemble pour nous piquer sourire, comme disant déjà. Marier la main ensemble, piquer sourire. Mais c'est aujourd'hui nous là aussi, Frédéric Ravina. C'est un jour qui ne fait que passer, donc, bien qu'on frais dans l'actualité. Au fin d'être élu jeune de la République Best Youth 2023-2024. C'est un award qui au fin gagné à Maurice avec Youth Council aussi. Raconte-nous ça l'aventure là. Qui au fin faire comme ça pour qui au niveau de la République aujourd'hui peut reconnaître tout ce qui au fin faire, qui au fin vivre meilleur Youth pour Maurice. Donc, c'est une grosse aventure National Youth Award. C'est une grosse aventure. C'est pas une aventure qui me débute aujourd'hui. Par exemple, on fait que dire. Moi, je commence depuis à mon jeune âge, depuis l'âge de 12 ans. Tout mon apprentissage, tout le monde qui m'a côtoyé, moi, je cause, je viens de donner beaucoup d'input. C'est ça qui fait que mon élu, Best Youth. Elle dit Best Youth, oui, Marie-Marie est pour tout le monde. Tout le monde est là-haut. Mais c'est moi, il y a un parcours. Elle a beaucoup de difficultés, elle a un cercle, beaucoup de difficultés. Et parfois, si vous avez l'envie d'abandonner, mais parfois vous réalisez vous abandonnez mais que ça n'a pas fait. Si vous avez envie, si vous avez envie, vous n'avez pas fait plus. Toi. Mais si moi, je suis là, dans mon moment, je ne peux pas faire plus. Donc, mon envie de motiver la jeunesse, il faut être motivé moi aussi. Donc, il me prend beaucoup de temps, beaucoup de motivation. Parce que restriction de fonds, il y a en janvier 2024. Ça veut dire pour participer, c'est une compétition. Quand mon apply, mon fait mon projet, mon passe par les séries interview, après mon alcool est mon nominé et voilà, nous arrivons Maurice et arrive Maurice là, vous pouvez attendre, écoutez, vous dites mais c'est moi qui vous gagne ça, c'est pas moi qui vous gagne hein, ou parfois vous comprenez, ou stressé, pour moi vous êtes Jeff, vraiment stressé, oui, on est stressé, mais là, Ravinant, Frédéric, gagne moment soulagement, moment soulagement, monte là, vous prenez, hein, vous montrez Rodrigue ça. Trophée là, c'est un message pour la jeunesse parce que nous ne pouvons pas faire beaucoup. Nous ne pouvons pas faire marie beaucoup. Il suffit de croire en nous. Nous devons croire dans nous. Si nous ne pas croire en nous-mêmes, nous ne pouvons pas croire dans nous. Si nous ne pas croire dans nous. Moi, je crois dans moi pour mourir, c'est avancé. Même moi, dans certaines interviews, je vise l'excellence. Je vise l'excellence, c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais gagner. Mais c'est moi qui connais mon appel, je vais appeler pour gagner. Donc, je vise l'excellence. Il est arrivé, mon premier, oui. Mais. Mon membre council, c'est par rapport à mon sens de responsabilité qui est Youth Counseling, ensemble avec Afria Nordic, même Youth Caravan, qu'on a fait un outreach program, qu'on nous donne un business, nous donne une sensibilisation, même dans le collège aussi, tout, dans la formation, le pied éducateur, la santé sexuelle, le productif, le plaisir, le occuper tous nos business. Même au niveau de la chorale, parce qu'il a foi aussi, tout, il a un rôle. Même au niveau de la chorale, parfois, on va gagner des répétitions, parce que mon visage a visité le Youth Club. Je me disais que je suis en train de faire pas gagner des temps. Mais la chorale, si je la vie spiritualité, je joue un grand rôle dans mon développement personnel. Parce que pour nous avancer, il ne faut pas nous négliger ce qui est là-haut. Ce qui est là-haut, il n'y a rien pour toi qui nous va négliger. Nous, qui sont là, qui n'ont pas arrivé vite, comme on a envie. Par exemple, je sens des blagues, il ne faut pas presser pour grandir. Moi, je ne vais pas presser pour grandir. Je vais aller l'étape par l'étape. Donc, ce qui est là-haut, là, ici, un sac clapot qui vous tape, c'est lui qui est ouvert. Si vous tournez, restez fermé, pourquoi arriver au tout. Après, on attend. La patience, bien pour autant. Marie est pour autant. Il paraît dans l'immobilisme, il y a une parole qui m'a bien content, c'est persévérer, pense demain. Continuez à persévérer. Donc, beaucoup de gens disent, continuez à persévérer. Dans n'importe quoi, ça coûte de aller. N'importe qui domaine, ça coûte de payer en vie, est vrai. Pas pour essayer de grandir. Pas pour essayer de gagner gros l'argent.
mais aller doucement doucement, c'est doucement doucement qui au réussi bâtir la case pour faire devenir un grand la case. Je dis nous commence par sous fondation, sous colonne, nous faire sous dalle, après nous à nous qui nous fait nous meubler lit, nous donne une jolie coudée, mais pareil dans la vie, c'est pareil, vous commencez doucement, tigui tigui, pas encore mot tout monsieur X. Ça n'a fait que premier prier, on va le galper, on va le faire même ça fait dit. Mais quand on passe ça qui est vocation, vocation une l'autre. Ouais. Vous avez rodé la quelle vocation pour vous. Faut des, parce que beaucoup de quand on est trop riche, c'est même les problèmes avec nous. Ça veut dire si grillade, moi, si tu me fais grillade. Si DJ, moi, DJ, ça veut dire si on veut faire DJ là-bas, un bon DJ aussi, on veut faire. Si là-bas, lui, on veut faire l'élevage aussi, on veut faire. Mais nous apprenons à innover. L'innovation, il est important. Il y a beaucoup de choses qui nous ont fait dans Rodrigue. On a beaucoup beaucoup de choses. Même au niveau de la pêche, nous avons développé nos secteurs la mer bien, 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 bien. Mm-hmm. Au niveau de l'agriculture, nous capables. Mais seulement, si un du monde vient faire ça, tout le monde a envie de faire ça. Donc, ça a une sa vocation, de qui tout ce personnel est capable de mener. Pas encore l'autre, on est arrivé, moi aussi, nous avons fait la même affaire. Donc, ça a nous donner un travail personnel pour faire nous-mêmes. Nous-mêmes, nous avons un travail. Connaître qui nous vaut, qui nous était, qui nous envie. Voilà, mm-hmm. Parce qu'il estime de ça, il n'y a rien pour autant. Ça dit monde bizarre quand c'est sim de soir. Si on a pas une bonne sim de soir, côte ça va aller au bouffer. Souris modia si un ban téléspectateur, je te dis surtout français, mais si on a pas une bonne sim de soir, au bouffer pas de côte ça va aller. Au bouffer là où la vie parce qu'il fait ou pas connait côte ça ou situé là où la vie. Donc vous avez fait une remise en question, côte ça moi était aujourd'hui. Côte ça mon vie aller et côte ça pour permettre moi arriver. Et la confiance qui est là ou même. Mais c'est moi, il joue un rôle dans la tête parce que tout le monde a vu arriver, mais c'est moi, on n'a pas confiance. Je veux dire, si ça ne fait ça, moi aussi, moi, je vais faire ça. Mm-hmm. Mais vous avez redécouté ça aussi, tu es où Marie-Marie, pour toi. Voilà. Donc, là, tout ça, ben, jeune qui finit d'être sélectionné pour sa compétition-là, pour briller hautement, pour Rodrigue et pour la République de Maurice, c'est une fierté nationale aujourd'hui devant nous, Frédéric. Et comment on peut penser pour comme si mettre ça à Word là au service de Rodrigue? Donc, toujours pour un moment, jolie, jolie question. Donc, comment pour mettre ça en avant avec Rodrigue? Donc, comment me dire, comme tout le temps, je dis avec mon Benzen, au niveau de Rodrigue du Council, je dis que mon pied allé, mon nominé, mon pied allé, oui. Mais seulement, pas oublier, même si arrivé mon fil, même si arrivé mon échoué, je vais relever la tête haute, je vais continuer à avancer devant ce qui leadership, ce n'est pas une compétition. Leadership, c'est vous pouvez tomber mille fois, mais seulement là où vous relevez la tête haute. Un champion, ce n'est pas forcément un qui gagne là. Un champion, c'est un qui tombe là et il réussit à relever et il fait face à un défi là pour lui briller. C'est un vrai champion. Tout le temps, on tient un moment, c'est que tout le temps, il est champion. Fait Jean-Daniel André tout le temps dire et champion. Tous les qui sont champion. Ou de convoquer qu'il y a des champions, mais arrivé l'état d'avoir le convoqué des champions. Alors, dire, c'est que vous motivez dans ça que vous avez dit champion. Mais dire, ça qui vous réalisez, vous pouvez faire tout dire champion, champion, champion. Donc, il y a beaucoup de champions comme moi, madame Rodrigue. Il y en a beaucoup, beaucoup. Moi, je dis là, on arrive au niveau national. Mais il y en a quand arrive même au niveau international. Et vrai, même au niveau mondial. Mais. Il faut des autres écouter bien, il faut des autres écouter, il faut des autres apprendre. Il ne faut pas penser quand on fait des trois l'année, les diamants plus qu'on est qu'il y a l'autre du monde qui tire là. Moi tout le temps, même mon précédent président, je ne pas dire que je fais plus bien que les autres. Je n'ai pas le droit de dire parce que je suis au service, je suis apprendre. Moi, je dis que tout ça, mon président qui me passe là, chacun d'entre eux, il amène une contribution par rapport avec l'année que je travaille et par rapport avec développement qui est là. Moi, là, oui, beaucoup de gens connaissent moi aujourd'hui, grâce à Facebook, grâce à WhatsApp, il y a beaucoup de médias, même la MBC, il y a beaucoup, beaucoup de médias. Mais avant moi, il y a quand même fait plus bien, mais l'histoire n'est pas effacée. À l'historique, il n'y a rien pour autant. Je suis capable, là, oui, je suis président de la council, mais je ne suis pas oublié, ben ancien président, tout le monde de l'équipe qui a participé, qui ont innové. Parce que c'est grâce à eux, la lead qui m'ont là. C'est grâce à la lead, tout ça, ben officier là. Même il y a une bande qui est décédée, il y a plusieurs qui sont décédés pendant mon parcours, il y a beaucoup de gens qui nous quittent. Même au niveau du staff de la commission, parce que le chauffeur, le driver, même au niveau de l'administration, l'administratif, c'est qui c'est autres qui font mon nom véhiculé. C'est autres qui, même si on a des bureau, mais ils ont fait des regards pour les sélectionner, pour essayer de réserver un billet d'avion, pour essayer de mettre dans telle formation, pour déplacer. C'est ce qui est salaud pour aller là-bas, pas tout le temps qui est dans un moyen de transport. Mais c'est le chauffeur qui.
même pays autres pour ça, mais c'est moi qui contribue, pour véhiculer moi, pour Mauricie avancer. Il ne faut pas m'oublier, ben attendre aussi, parce qu'il y en a beaucoup de monde, si nous vous citez, il y en a beaucoup, beaucoup de monde qui vous a cité. Nous ne pouvons pas citer, non, mais seulement tout le monde se donne une place dans mon équipe, pas oublier les autres contributions. Toute la population rodriguaise a une grande place dans mon équipe. Même si parfois on interviewe moi, on a ma vie là, aussi on a un rôle, parce que parfois on dit, question là, vous posez ma question là, mais qui m'a pour répondre? Parce que aussi on apprend à développer, parce que nous appelons en tant qu'ils n'importe qui est dans un forum, n'importe qui est venu poser une question. Mais qui vous fait? On est déjà là, on est tiné de la bouche, collé ensemble, vous allez se poser. Donc, la MBCC nous a ce rôle parce que pour réussir à mettre mon image en avant, réussir à faire moi arrêter timide pour venir causer devant tout le monde, ici j'ai ce rôle. Donc, c'est une combinaison de tout un chacun. Pour moi, je dis, il y en a beaucoup de petits champions. Donc, comment je peux mettre ça? Comment je peux faire pour partager mon expérience? C'est moi pour mettre tout ça, va nous donner qui m'a dans, dans mon tête. Par l'expérience qui m'a là avec d'autres, je vais partager avec tout ça, les champions. Les autres mérités, parce que c'est les autres qui font qui m'ont là. Parce que même pour, au niveau de la Rotation Youth Council, c'est lui qui passe pas une vote. C'est ça, les champions qui font mon vie là. Parce que sans autres, je ne vais pas rien, sans autres, je ne vais pas Jean-Frédéric. Parce que sans autres, je ne vais pas là. Parce que j'ai même une église, parce que c'est les autres qui me croient dans moi. Parce que 2016, quand c'était là, c'est les autres qui ont une certaine confiance dans moi qui me permet de moi là. Donc, moi, je suis là pour place ça, avec tout ça, les champions. N'importe qui est, n'importe qui l'équipe, qui l'organisation, ou bizarrement, pour cause avec Koubanzen, même ben grand du monde, fait un témoignage. Moi, disponible. Moi, là pour partager mon expérience avec vous. Pas quoi, comme je viens d'un champion, je viens d'une autre personnalité. Non, je reste un pareil, je reste normal. Je connais beaucoup du monde, je suis un comment Facebook, je n'ai rien négatif. C'est qui est mon content. Hein? Le Facebook, partout, je n'ai rien négatif. Je n'ai pas de message positif. Je suis un positif, ça me fait mon mari plaisir. Et quand je suis sur Facebook, je trouve que je suis un fantasme, je ne suis pas pour moi, c'est là que je suis un volé. Je suis un positif, ce qui fait que mon vie interpelle beaucoup de monde. Là. Oui, beaucoup de monde dit mon fantasme. C'est vrai, oui, mon fantasme. Mon fantasme, oui. Mais seulement, c'est sa fantasme qui fait que moi. Là. Ça, c'est une qualité. C'est une qualité, vous avez besoin de développer. Mon avantage, oui, mais seulement, ça permet de moi avancer. Voilà. Si vous dites mon parti vendeur, mon parti pour là. Non, sorry. Un tic par vendeur, c'est pas tic. Oui, un tic par vendeur, c'est pas un tic. Mais déjà là, vous pouvez dire mon tac. Parce que si vous n'êtes pas vendeur, vous pouvez ici. Mais ça qui permet de moi, parce que c'est ça qui, c'est ça mon enzyme qui permet de moi avancer. Parce que l'avantage, c'est pas un défaut, c'est une qualité, comme on dit. Voilà. Mais c'est un là, mais moi, vous avez besoin de développer. Parce que vous récitez anglais avec toi, tu m'en as causé. Ou vendeur, ou bien c'est moi, tu m'en content ou même. Vous assurez aussi. Vous assurez qu'on fait vendeur. Vous assurez que c'est un tiers, parce qu'il y a un peu exactement. Mais justement, comment vous expliquez tout ça, parcours que vous faites vivre et qu'après, quand ça. Ça allait, elle allait redescendre après qu'il finit avec un trophée, tout, un prix, tout, une photo et tout. Là, Tchabon aussi qui nous fait un téléspectateur à revivre ce moment-là, qu'on vit ça à travers sa vidéo qui vous fait envoyer nous, Frédéric. D'accord. On a fait ça ensemble. On a fait ça ensemble. Voilà, vous faites revivre Antigone ce moment-là, Frédéric. Toujours l'émotion, il a toujours. C'est un plaisir, tout le temps, quand vous êtes Rodrigue, nommé au niveau national, c'est une fierté, c'est une fierté. C'est une mari-fierté pour moi, mari-fierté pour tous les années de Rodrigue. C'est montrer que nos contributions, l'infructifier, nous allons dire. Et vous venez dire nous aussi, pour tous ceux qui sont arrivés aujourd'hui, pour la vie en général, Frédéric Ravina. Vous finissez aussi un soutien indéfectible, la vie spirituelle, le bien actif. Oui. Justement, raconte-nous un petit peu ça à côté. Donc, je ne vais pas dire que je prie tous les jours, mais seulement je mets mon service de l'Église. Ça veut dire full time, mais de temps en temps, quand je réussis, je vais aller, mais moi, je vais la messe presque tous les dimanches, la majorité des dimanches, je vais aller.
Mais faut de pas réussir, faut de la fatigue, parfois la fatigue domine nous. Parce que parfois, on malade aussi, on va réussir à aller. Mais l'église, la prière, joue un grand rôle dans la vie de jeunesse. Si vous pensez, vous dire dans les mondes que nous devons vivre, ou qu'à vivre sans la prière, non. Il n'y a pas comment, jeunesse pas comment. Si vous pensez l'amusement, plus important. Mon cas amusé, oui. Moi amusé comme tout jeunesse. Mais c'est moi amusé ici, dans la présence du Seigneur. Mm-hmm. Je dis avec la chorale, mon santé, au danser de la chorale, mes managers. Parfois il vient, parfois il pas venir. Nous sommes, on a un lien. On a un lien, nous partager, nous causer. La chorale, c'est un moment parce que ce n'est pas ma même scène. Il faut que nous comprenions. Je suis dans le Youth Club, et dans la majorité, je suis dans la chorale. Ce n'est pas ma même du monde. Là-bas, on gagne. Je suis venu causer avec vous pour dire, et qui te pense là? Qui est une vocation? Qui te pense une vocation? Parce qu'il va falloir faire même pas, comment redonner à sa mettre la chorale, pour nous causer, nous veiller guider. Nous gagnons un dialogue parce que la rouase de youth, ça veut dire que je participe dans beaucoup d'activités récréatives. C'est un verbe de forum, de formation. Mais quand on rentre dans la chorale, la nouvelle cause, les seigneurs, comment rappeler nous, la vie spirituelle, c'est un autre. Au final, on va pouvoir dire, pour expliquer, parce que pour expliquer, c'est difficile pour expliquer. Ouais. Mais c'est maintenant la vie spirituelle qui joue un grand rôle. Sans saisie, peine à ravir Jean-Frédéric. Donc, mais vous avez déjà dit merci. Vous avez dit merci, Jésus. Et nous, l'émission aussi, l'IPI attire à sa fin. Frédéric, peut-être là où il y a un message aussi pour adresser à tout Banzen qui finit de faire l'émission là, aujourd'hui. Qui est le message? Donc, à toute la jeunesse rodriguaise et toute la jeunesse de Maurice, de la République, mon Dieu. Parce que nous faisons partie de la même république. Je souhaite que la jeunesse soit pour conscience de la vie. Je dire pour conscience de la vie, pour que connaître la vie divine. Pas pressé pour grandir, aller doucement, doucement. Et dans le sens d'engagement. Engagez-vous dans un groupe social, même pas social, même là, même la culture. Mais engagez-vous dans n'importe qui groupe. Parce qu'il est marié important. Il permet de nous développer, avancer dans la vie. Parce qu'ils sont social, nous ne pouvons pas. Parce que le business social, je vais communiquer avec vous. Le business social, je vais communiquer avec vous. La jeunesse, je vais un pouvoir inestimable dans la main. Je vais avoir l'énergie pour sans votre quotidien, sans votre la vie aujourd'hui. Pour faire votre la vie briller dans son plus grand splendeur. La jeunesse, je vais avoir l'énergie, je vais dire. Pas une personne âgée, je vais avoir l'expérience. Si nous, la société Rodriguez, nous réussit à combiner tous les deux ensemble. C'est-à-dire l'énergie avec l'expérience. Nous casse-diffés. Comment maintenant dire nous réglons l'ensemble. Ça même, nous restons réglons l'ensemble même. L'énergie avec l'expérience, ils viennent tout. Quand on dit l'énergie avec l'expérience, quand on finit de trouver, nous n'avons pas d'avion pour nous. Mais si on finit de trouver l'avion, on a fini de décoller. Oui, le coltan, même non, allez. Mais en tout cas, Frédéric, aujourd'hui, personnellement, moi, je passe un bon moment pour découvrir la vie. J'espère qu'il y ait beaucoup de jeunes aussi pour prendre tout ce que vous pouvez dire en considération. Mais même partie, tout ça pour qu'on ait d'autres pour avancer dans toute la vie, tout un chacun. Voilà. Bonne continuation dans vos parcours. Merci. À vous aussi, bonne continuation dans la vie comme animatrice. Merci. Et en plus de ça, j'espère que ça award là, comme vous pouvez dire, pour pouvoir capable partager tout ça va un petit champion qui vient exprimer. Ça, si elle nous partage. Merci Frédéric. Et c'est ici que l'émission Zen Actif tire à sa fin aujourd'hui. Juste pour rappel, qui nous vient découvrir la vie de Frédéric Ravina, qui fait un gain award, donc Best Youth de la République pour l'année 2023-2024, quelques jours de cela. Et nous souhaitons une très bonne suite de programmes, l'Urban Chain de la MBC TV.